Bonjour, internautrices et internautateurs, ici Gaiden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons notre colonie qui vient de se faire attaquer, enfin, qui va se faire attaquer par le peuple de Garei. Entre les deux épisodes, j'ai renommé un certain nombre de mes personnages. Brady s'appelle désormais Scorpicon. C'est un viewer qui m'avait demandé il y a de cela bien longtemps. Nous avons désormais Clark qui s'appelle Akatsuki. On se demande qui c'est. Quant à Selma Flowers, elle s'appelle désormais Morgan, du nom de notre Morgan von Brilan national. Voilà. Donc, nous allons nous attaquer, enfin nous faire attaquer. Alors, avant, puisqu'ils vont passer un peu de temps pour se préparer, je vais en profiter pour me faire, enfin, même si normalement les risques, qu'est-ce qu'ils ont comme type d'armes? Bon, il y a quelques-uns qui peuvent tirer un peu loin, donc ce qui serait intelligent, c'est que si je mette un tas de sable pour empêcher justement qu'ils puissent s'installer là. C'est en sécurité. Je vais installer un tas de sable ici. Et puis, je vais faire en sorte de m'installer quelques protections complémentaires pour moi aussi. Hop. Pour mes petits péons. Voilà, qu'ils puissent être un peu peinards. Et pas trop risqué de se faire tirer dessus, enfin un peu moins risqué de se faire tirer dessus. Les sacs de sable, ça permet de se protéger à 55%, ce qui est quand même pas dégueu. Pour le peu que ça coûte, c'est vrai que bon, techniquement, il faudrait que je fasse les choses de façon un peu intelligente et que je me rajoute une rangée de pièges, hein, parce qu'on voit bien que là, les raids maintenant sont nettement plus costauds, hein, les points de menace. Threat points used qu'on voit ici sont de 1146. Donc c'est en lien, si vous ne le savez pas, la difficulté des menaces est toujours en lien avec la richesse de votre base. Donc au jour 1, j'étais à 15 000 et quelques dollars. Ça faisait des. Il faut que je redescende, je ne sais même pas si je les verrai tous. Non, je ne les verrai pas tous. Voilà, mais j'avais certainement une centaine de points de raid sur en début de partie. En général, c'est ce qu'on a. Là, je suis à 1146, donc c'est 11 fois, en gros, 11 fois plus costaud. 10, 11 fois, je ne sais plus exactement ce qu'on a en début de partie. Voilà, et mes protections de l'époque sont plus vraiment suffisantes. Il faudrait même. Je pourrais expérimenter de me faire ce qu'on appelle une killbox, mais là j'ai pas le temps de le faire. Donc je vais envoyer mes meilleurs constructeurs qui sont Ardarin, Tokiro, Toshiro, Toshiro, Delmonité, Mangazor. Donc on a dit Delmonité, Mangazor, Toshiro, Ardarin. Hop, Ardarin, Mangazor, Toshiro. Je vais vous envoyer pour me faire ça en. Speed, voilà. Tac. Au taf, les gens. Akatsuki est totalement guéri, c'est une bonne idée juste avant un raid, histoire de retomber par terre. Moussa Rasé est quasiment guéri aussi, donc ça devrait le faire. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et celui-ci aussi, parfait. Sentais venir ça, non c'est bon. Onyx, te fais pas tirer dessus. Casse-toi, 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 c'est bon. On se casse, on se casse, on se casse. Voilà. Demnamit est dans le drame comme d'habitude.
Allez. Non, 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 no way. Tu ne vas pas là, cocotte. Tu ne vas pas du tout là. Hop. Soyons peut-être pas tarder à lancer l'assaut. Non plus. Katsuki, voilà. Allez, c'est parti. Donc, tac. À l'assaut. Hop. Alors. Scorpicom. Damnamite. Papillote. C'est une colonie dans laquelle j'ai plein de persos corps à corps. Hop, Célestine, t'as une portée qui est relativement bonne. Par contre, hop, tous ceux qui sont. Voilà, pourquoi Lori? Ah oui, Lori, c'est vrai qu'il est toujours en boîte. Hop. Et Broudaf, pourquoi est-ce qu'il a pas d'arme, Broudaf? Parce qu'il est loin, Broudaf. Reviens là, Broudaf. Je pense que tu risques d'arriver un peu après le combat, mais c'est pas grave. Normalement, ça doit se gérer. Hop. Allez, venez par là, les cocos. J'aime pas les voir se diriger par là. Allez, faites le tour. Par là. Non, pas par là. Pas par là. Par là. Ah, putain, les cons. Il y en a qui s'attaquent à la porte. Pêche. Bon, je vais envoyer. Akatezmoy pour s'occuper de. Ah, c'est bon, il bouge. Très bien. Hop, c'est parti. Un qui HS. Hop, Moussard est totalement guéri, formidable. Bim, deux qui HS. Trois. Allez, on continue de s'approcher. Audafi est mal orienté. Bim. Voilà. Ouais, j'ai même pas besoin d'utiliser mes cacs. C'est tranquille. Tac. On va aller attaquer les blessés. Je sais pas si j'aurai le temps d'y aller. Tac. Ça dépend un peu de la vitesse de déplacement. Ouais. Bon, c'est pas très très grave. J'ai pas besoin trop d'aller à la chasse. Alors, qu'est-ce qu'il vaut lui, les rareaux? C'est un bon combattant qui sait s'occuper des animaux, qui est noctambule. Qui a perdu un peu de. Qui est médecin. Bon, il est pas trop mal. Allez, on va recruter. On va capturer. Hop, putain, ça, capturer. Pour le reste, tac, tac, tac. Voilà. Et ah, il y a Morgane qui se fait toucher. Zut alors. Tac, 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 tac.
Et voilà. Bon. Tranquille. Tranquille, tranquille. Ah oui, c'est vrai que j'ai déjà. Ah oui, j'ai Postlevet qui est encore prisonnier inébranlable. Ah, mince. Qui va blinging out dans 2 heures. Tu vas le déshabiller et on pourrait récupérer quelques organes, sauf que en général, c'est pas trop aimé. Modification corporelle. Normalement, pas de récolte. Pourtant, c'est drôlement pratique, ça. bon, vu mes difficultés de gestion de morale, en général, dans cette partie, on va éviter de trop en faire. Tiens, toi, t'as perdu une jambe. Qu'il faudrait que je te remplace. Oh, super, je suis content. Tac. Là, je pourrais faire ce que j'ai le temps de faire. Une exécution publique. Non, pas sur Poslo. Toi, tu fais pas de médecine. J'ai besoin qu'ils survivent. Je vais essayer de faire un. Ouf. Ouais, il va pas survivre. Akatsuki n'était pas le bon choix. C'est pas très très grave. Hop. Il n'y aura pas d'exécution publique. Smarty, c'était quoi? J'étais en recrutement, il est déjà converti. Très bien. Et Papillote qui est sur le point de me péter un câble. Ça faisait longtemps. Ils vont voir des cadavres, un compresseur neuronal. Bah, compresse-toi la tête. Dès que tu le pourras. Ah, dommage. T'es pas assez vite. Voilà, ça redonne du bonheur. Ah, Postlevet. Nous rejoint. Je crois que c'est la troisième fois que je la recrute. Postlevet n'a pas d'arme à distance, ce qui est une mauvaise idée. Alors, avec ses 10,07 et sa passion brûlante pour le tir, elle se place là. Et je vais lui mettre un petit fusil à pompe automatique à 100% qui est là. Postlevet, tac. Va t'équiper de ça avant de jouer au fer à cheval. Bien. C'est un peu le drame, mon stockage là. J'en ai un peu partout. J'ai plein de tissus en fait. Alors je pourrais. Il y a un truc que je peux faire. Déjà, c'est ça. Tac, tac. Hop, hop, hop. Voilà, ça permet d'être sûr que. Parce que tout à l'heure, il s'arrêtait en fait. Ils s'arrêtaient sur les zones où il y a des taps sables. S'il y a un tap sable, en fait, ils ne peuvent pas s'arrêter. Est-ce que j'ai du bois? J'ai plein de bois, c'est une excellente chose. Très bien. Bon, bah... Là, je pourrais faire. Crâne. Oui, et puis c'est Papillote qui s'en charge tant qu'à faire. T'es déjà. Papillote, elle est pas. Est-ce que j'ai pas un psychopathe là-dedans? Agile cogneur. Psychopathe, si. Damnanite pourrait se charger de ce genre de tape.
Est-ce que ça pose moins de problèmes? Moi, j'en ai d'autres. Grande marcheuse pour Zmeuil. Oh là, Mangazor aussi, psychopathe. Donc, Damnamite. Donc alors, ce que je... ce que Canton m'avait indiqué sur ma partie Twitch que vous avez peut-être suivi, c'était de faire une zone ouais, non. Hop, une nouvelle zone qui soit réservée aux psychopathes. Hop. Et que cette zone, hop, je la limite à ça. Et qu'il n'y ait que les psychopathes qui puissent y aller. Parce qu'ils sont moins influencés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais ils le sont moins. Et ensuite, il faut que j'inverse. Et en fait, il faut que j'autorise la zone à tout le monde, sauf... Enfin, il faut que je mette tout le monde en psychopathe sur cette zone-là. En fait, c'est seuls les psychopathes iront sur cette zone-là. Voilà, donc j'avais dit Damnamite, non restreint. Zmeuil, si je me souviens bien. Et c'est ça, psychopathe. Et c'était qui l'autre? Zmeuil et Mangazor. Donc. Tac, Noï et Mangazor. Très bien. Sur les noctambules, que je revoie, que je refasse un petit tour. Pourquoi est-ce que... Ah, c'est Loury. Loury qui est noctambule, d'accord. Okay. Je vais pas le sélectionner pour l'instant. Tiens, j'ai récupéré de l'argent. Morgane guérit, très bien. Voilà. Très bien. Tout ça est réparé. Nickel. Alors, on est quelle période de l'année? On est au printemps. Bon, donc sur les cultures, ça va le faire. Au niveau de la bouffe, ça va le faire. Est-ce que je fais des croquettes actuellement? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être pas. Si j'en fais là des croquettes, est-ce que je vais les utiliser spécifiquement? Il faudrait que je n'y utilise que de la viande d'insectes. Parce que j'en ai. Et ça me permettrait d'utiliser ma viande d'insectes. Nickel. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que j'ai à voir ici? Qu'est-ce que j'ai comme quête? Je pourrais faire chevalier. Ah non, il me manque. J'ai pas de salle du trône. L'arconnexus. Alors, je pourrais aller chercher
Ma relique signée plan des richesses 2 jours. Elle est où? Elle est là. 1,9 jours. J'ai le temps d'y aller ou pas? Hop. Trajet de 1 jour. Allez. On va y aller. Fissa, fissa. Hop. Un coup de dromadaire. Et d'âne. Cet animal est malade. Je sais pas du tout ce que je suis susceptible de trouver. Je pourrais peut-être regarder quand même. Planque des richesses 2 jours. Schéma technique. Menace inconnue. Bon, d'accord. Pratique. Cette quête-là qui est plantée. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi porte automatique? Je comprends définitivement pas cette quête. Bon, bref. Ah, je vois que j'ai mes premiers trucs de cacao qui sont arrivés. C'est cool. Et oui, c'est là. 29 sur 60. Donc, la planque avec une menace inconnue, eh ben, on va pas envoyer trop de monde. Donc on a dit qu'on envoyait les dadas histoire d'aller vite. On va envoyer ceux qui pètent un câble, histoire qu'ils pètent pas un câble. Dans mon papillote par exemple. On va envoyer Célestine. Tac. Et Mangazor. Tac. Normalement, 4, ça devrait le faire. J'ai pas besoin d'envoyer des articles quelconques. Prenez du chocolat si ça peut vous faire plaisir. Les croquettes. Ouais. Ah, j'ai pas de plat, c'est intéressant. Bon, allez. De toute façon, vous n'en avez pas pour longtemps. Pourquoi est-ce que j'ai pas de bouffe? Parce que ça arrive. C'est en cours. Où est-ce que j'en suis? C'est qui mon convertisseur? Idéologion. C'est Papillote. Qui de toute façon n'est pas. Ben, s'en va sur la carabine. Tiens, tu seras content. Tu auras une belle pièce. Percepteur de mages royaux. Ranasqué. Si déjà je peux avoir mon monument qui soit considéré comme correct. Hop, caravane en cours. Smarty, ça va être bon. Colon inactif. Bon, alors si vous êtes inactif, je vais trouver des activités. J'ai pas de granit, donc on fera. Si j'ai 127 de granit. Alors, ça m'a pas trop plu tout à l'heure de les voir. Je vais peut-être doubler la. Ça c'est quoi? C'est du marbre, c'est un peu du gâchis. Structure.
Granite, tac. 40, j'en ai combien? 37. Tac. Une porte en granite. Ok. De la bouffe, j'en manque pas, hein. J'ai quand même pas mal d'aliments crus. Mais bon. Peut-être que ce serait pas du luxe d'aller chasser un petit peu. Hop. Allez, tac. J'ai quand même pas mal de monde à nourrir. Intox alimentaire, formidable. J'adore les intox alimentaires. Nouvelle recrue Smarty. Alors, bienvenue Smarty dans la colonie du cygne noir. La tribu du cygne noir. Intellectuel, artiste, cuisinier. Tellement besoin de... Tiens, j'ai des gens qui font du commerce. Cuisinier, smart... Alors, t'es pas tip-top, mais... Moussarazé, tu me fais quoi? Toi, t'es... Je vais te mettre en 1 sur la bouffe, histoire que tu viennes assister cette pauvre Onyx. Et pour le reste, on se débrouillera autrement. Médecine 3, achevé 2, geôlier 3, 4, t'es juste nul nul, dresseur, t'es nul, cuisinier, ok, tac tac, en chercheur, j'ai tout ce qu'il me faut, ouais. Enfin bon, il est bien, mais... Ouais, à la limite, je préfère que ce soit lui avec sa double passion. En artiste. Ouais, bah, il est bien, mais les autres sont meilleurs. Et Smarty, il me fait quoi d'autre? C'est un bon mineur aussi. Ouais, pas trop mal. Je vais mettre en deux en mineur. Pour le reste, fermier 4. Pourquoi j'ai pas. Normalement, je mets tout le monde à 4 en fermier. Parce que si j'ai besoin de couper des plantes, c'est utile. Ah non, c'est forestier, je suis con. Artisan, 4 pour tous. Constructeur, ok. Smarty, tu es une quiche en combat. Donc tu seras d'abord, tac-tac. T'es pas un noctambule par hasard? Si, t'es un noctambule. Tu vas tenir compagnie à Louis quand Louis sera réveillé. Voilà. Et donc, on a dit que t'étais une quiche en combat. Donc, Smarty. Smarty est un seul, est un ouvrier. Qui ne prendra pas de drogue comme les autres. Et il faut que je lui donne une arme à distance. Qui ne le mette pas en danger. C'est-à-dire, bon, ce sera comme les autres, une carabine. Hein. Tac. Est-ce que je te trouve, toi? Ici. Donc, Smarty, tac, tu vas aller t'équiper d'une carabine de survie. Et t'es encore plus mauvais que Morgane en tir. Bravo. Ami joueur, si tu veux rejoindre l'aventure, si tu veux que ton nom soit inscrit dans la grande légende de la tribu des Jeux du Cygne, je veux bien des noms en plus. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire que tu souhaites nous rejoindre. Ah, c'est le... C'est lui. Hop là. Voilà. Pif.
Hop. Colomb a besoin d'aide. Qui est-ce qui a besoin d'aide? Intox alimentaire, voilà, vache. Ça l'a vraiment foutu vestiaire. Alors, menace inconnue. Mon Dieu, j'ai peur. Que vas-tu trouver comme menace inconnue? Une embuscade. Alors, un piquet, c'est toujours chiant. Et un faucheur. Alors, on va faire un rush sur le piquet d'abord. Tac, 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 tac. Attaquer le piquet corps à corps. Toi, tu vas te coller là. Et Mangazor, tu vas te coller là. Tac. Ah, saleté. Tac. Et on se retourne. Bim! GG. Joli tir, Célestine. Respect. Un tir. Pouah! Transpercer le cerveau artificiel. Là. Franchement, gros respect. Ah t'es encore en building out là, bordel. Putain. Donc, bon, matériel. Herbe médicinale, tac. Hop. Mobilier, lieu de couchage. Tac, tac. Qui est-ce qui soigne? J'espère que j'ai du monde qui soigne un peu. J'espère. Pas du tout. Tout va bien. C'est qui? C'est Mangazor, mon meilleur soigneur avec 3. Ouh. Médical. On va se coucher. Mangazor, tu restes en coin. Tu vas me ramasser les herbes médicinales. Et Célestine, bah, ma foi, tu vas aller ici. Hop. Ordre, on va revendiquer tout ça. Mangazor, tu vas me soigner. Papillote. Pour commencer. Et ensuite, je rentre à la maison. Me soigner aussi d'amnamite. Frénésie de tir pour Zmoï. Il n'y a personne qui aime le chercher, Zikino, là? Ah si. Putain. Hop. Et c'est reparti, on rentre à la maison. Je pourrais presque aller choper de l'acier. J'ai combien d'acier là? Bof. C'est presque sur le trajet. Je suis censé avoir combien de personnes là? La Ligue 2R, petit groupe indépendant. Expire dans 30 jours. Allez. Reformer la caravane. Tac. On part avec tout le monde. On prend de toute façon ça. Pour la vache, comment c'est lourd. Il vaut mieux prendre. J'ai de quoi faire, hein, mais. Je ferai un petit désassemblage, mais du verre de l'acier, je vais devoir en récupérer ailleurs. Gravat en granit, je vais prendre. Ce que j'ai en trop, je préfère prendre plus de gravats en granit. Allez, sous.
son fusil là. Papier de dynamite. Super loose. Sur le moral. Quête disponible. Un grand édifice. Ouais, c'est ça. Ça me saoule les édifices. Franchement. Ouais, tant pis. Ça oui, il faudrait quand même que j'accepte, histoire qu'il me propose les quêtes en lien avec. Putain, c'est ouf, comment ça se fait qu'il. Ah, c'est. Il gerbe tout ce qu'il peut, quoi. Va manger un plat raffiné, coco. Et va reprendre ton ta carabine. Allez, ouais, du chocolat. Toujours plus de chocolat. Oh! Embuscade. Deux pirates. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, mais vous avez vu comment vous êtes équipés, les mecs? Vous me faites rire là. Vous me faites sérieusement rire. Bim. C'est qui le patron? C'est efficace comme ça, saloperie. Hein. Bordel. Il a fallu quoi? Trois, un tir pour l'autre, et là. 1, 2, 4 tirs. Lui, il l'a one shot, quoi. Putain. À combien? Avec 15 en tir, c'est pas mal aussi, quand même. Bon, bah. Encore une victoire de canard. Tac. Vous me récupérez magnifique massue en marbre. J'en avais bien besoin. Hop là. Qu'est-ce que je suis en train de chercher là? Moniteur de signe. Grossiste. Need. C'est qui mon meilleur causeur? C'est Toshiro. Tac, va causer. Alors, grossiste, ça m'intéresse car ouais, déjà la viande OGM. Hop. Ça me fera de la place. Tissu, putain, 1900 tissus. Non dans ce grognonieux. Prends ma binouze. Hop, j'en veux plus.
Qu'est-ce que tu vas me prendre d'autre? Flake. J'ai peu de toxico, je crois pas. Semble pas. Composants, ça, qu'est-ce que je veux en échange? Je veux des composants. Toujours besoin. Composants avancés, j'en aurai besoin aussi tôt ou tard. Médicaments, je veux. Alors, qu'est-ce que je peux te revendre? Certainement beaucoup de choses. Est-ce que j'ai des trucs horribles? Non. Est-ce que j'ai des trucs médiocres? Oui. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai des trucs normaux? Certainement en très grande quantité. Hop. Bonnet en diable étoffe, je vais peut-être le garder quand même. Pantalon renforcé, ouais. De toute façon, j'ai du tissu, donc. Allez, tac. Les sculptures, on revend. Dans les trucs bons, est-ce que je peux lui. Casque simple, je m'en fous, je peux faire du. Je peux faire mieux que ça. Ça, c'est à 51%, donc. Hein, grande sculpture en calcaire, on revend. Est-ce qu'il me reste des trucs en tissu? Non, revend. Non, si, oui. Hop. Bon, là déjà on peut causer. Tout ça, j'en veux pas, ça éventuellement. J'ai quand même déjà de quoi me balader. Donc j'ai chopé des médocs. Plastacier, c'est toujours bien. Mais genre, j'ai plus de thunes, donc c'est aussi bien si je me garde un peu de thunes. Parce que là, si je prends tout, ouais, c'est un peu cher le plastacier. Ça devient vite très très cher. J'ai du diable étoffe. Ouais, j'ai quand même plein plein de trucs. Je pourrais quand même me faire davantage de vêtements. En cuir, est-ce que. Cuir de dromadaire excellent. Tout ce qui est juste en cuir de base, je vais le revendre. Allez, donne-moi des sioux. Et pour le reste, je vais me débrouiller sans. J'ai besoin de sous. Hop. Qu'est-ce qui me fait. Qu'est-ce qui est couturier? C'est Zmoy. Zmoy, là tu me fais pour l'instant. Okay. Alors. T'as plein de parkas. Et quoi les critères? C'est normal. Alors ce que je vais faire, c'est déjà je vais passer les critères. Ah bon. Et puis m'assurer qu'ils soient tous au moins à 51%. Chemise 51%. Bon, tac. Parka, au moins 51%. Bon. OK. Me fait. Ah merde, qu'est-ce que simple. J'ai besoin de qu'est-ce que simple encore. Je peux pas faire des casques avancés. Bah si. Arrête de me faire des casques simples. Tac. Annule. On finit de me construire ça. Ça me semble être nettement mieux.
Ils ont pas encore hein. Total Dynamite, mais là, morale de merde, c'est pas possible. Allez, au combat. Il va y avoir combien de méchants là? Il y a quand même quelques-uns des méchants. Mais j'ai une assez bonne disposition pour les défoncer. Tac. Célestine, tu vas là. Hop. Paf pouf. Et voilà, tranquille. La zone est maintenant sûre, je peux... Toi, tu t'en sortiras peut-être. Ouais, tu t'en sortiras. Plein de cadavres dont je me fous, je vais revendiquer tout ça. Et puis, ben, on va peut-être arrêter cet épisode-là. Parce que finalement, on est déjà pas mal. Là, je vais l'autoriser. Non, je ne vais pas le transporter, je vais juste l'autoriser. Vous allez aller là. Tac, tac, tac. Damien, ici. Mon gazor, là. Célestine ici. Voilà. Hop. Mon gazon, tu vas là. Et puis, tac. Bon, on va repartir. Bon, j'ai pas grand-chose à récupérer d'intéressant. Les sacs de tissu, sacs de couchage à l'extrême rigueur. Mais j'ai ma base n'a pas besoin de grand-chose. Donc, reformer la caravane. Tac. Alors, article. Je vais enlever tous mes gravats et je verrai après. Avoir récupéré ce que je veux récupérer. Je récupère ça, 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 ça. Tous les tissus, je m'en fous. Un lit en marbre. Ouais. Je peux pas dire que j'en manque. Ce qui est en métal éventuellement. Je préfère utiliser, prendre du granit que je n'ai qu'en plus petite quantité. Pemmican, je vais prendre les sacs de couchage, ils seront contents. Dagabedam bam bam. Refroidisseur, je m'en cogne. Allez, prends-moi le granit que tu peux. Et roulez jeunesse. J'ai peut-être pas besoin d'autant de coton, de tissu, ça commence à aller. Bon, allez, je vais arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me laisser un nom pour venir participer à cette grande aventure. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!